l'un des filakès de Doros. Je ne suis pas un ami de Doros. Il n'a apporté que le malheur à mon mari Aristo. Le grand poète et philosophe. En prison. En prison pour avoir écrit des choses magnifiques. Les mots sont des armes puissantes. Mon mari a trimé pour écrire son chef-d'œuvre. Des années. Ensuite, Doros l'a plagié et s'est approprié le génie de mon amour. Et Aristo lui a fait un procès. Des mois de plaidoirie. Pour finir, mon mari a été battu, ridiculisé et jeté dans une cage. C'est ainsi qu'on rend la justice à Alexandrie. Oh, mon cher homme, si tu redresses ce tort, mon mari et moi pourrons fuir la ville et tenter d'oublier cette épreuve. Si tu le libères, je connais un bateau qui l'emmènera sur les quais sud. Je vais t'y attendre. S'il te plaît, ramène-moi mon Aristo. Putain, j'ai de la peau qui s'arrache en deux. Morias para las falsas matadudas. Ah, mais d'accord, il est en train de se barrer. What? Non, mais il venait dans mon sens en fait. Qui es-tu? Un autre sycophante de Doros qui vient me narguer? Va-t'en, laisse-moi mes malheurs. Je suis un ami de Phanos, un protecteur. Laissez le passage! Frappe-le encore, il l'a mérité. Putain, je peux lui prendre le. Sournois, attention! Méfie-toi, ses cheveux! Il a des poux! Des poux! Tu es encore plus valeureux que le grand Achille. Tu m'as épargné l'humiliation de ma recherche quotidienne. Allons-nous-en. Oh merde! Ces Vlacos m'ont brisé la hanche. Fais attention, je t'en prie. Je t'en prie, il faut que nous quittions la ville. Nous devons fuir. Ma femme m'a dit de te faire quitter Alexandrie. Ma femme? Ah, la chère âme. Oui, il y a un bateau au port. Emmène-moi là-bas. Doros, quel homme méprisable. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir écrit un meilleur livre que lui. C'était un livre sur le Nil, rempli de splendides descriptions. Je suis très doué pour les descriptions, en toute modestie. C'est pour ça que Doros a autant pillé mon livre. Ses écrits sont insipides. Il n'a aucune connaissance du Nil. Il serait incapable de décrire un hippopotame, même s'il en avait un sous le nez. Si les soldats nous trouvent, ils me tueront à coup sûr. Et ma chère femme, que deviendra-t-elle alors? Elle qui est la lumière de mon existence. Quoiqu'elle a détesté mon livre. Trop de crocodiles, a-t-elle dit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais Doros devra répondre de beaucoup de choses. Je dois te dire, Doros est mort. Ravi de l'apprendre. Puisse-t-il griller chez Hadès pour l'éternité? C'est toi qui as tué Doros? Aristo, par ici! Le bateau est prêt! Nous ferons voile dès que tu seras à bord! Ma femme!
Loué soit la clémence des dieux. Nous avons réussi. Mon amour. Ah merde. Je suis heureuse que tu sois libre. Tu dois partir. Les Philakita y sont sans doute à tes trousses. Je vais fuir. Ma femme a réservé un passage pour la Crète. Nous rêvons de nous y installer depuis toujours. La vie sera peut-être plus tranquille là-bas. Puissent les dieux veiller sur votre traversée. À mes yeux, le devoir et l'honneur sont contradictoires. Mais tu incarnes étonnamment les deux. Si l'Égypte n'était peuplée que de gens tels que toi, la vie serait divine. Oui. Bon. Oh bien, je les ai pas vus les orages. Ah! Patience! J'ai tout mon corps! Oh! De niveau 20, je pensais que j'arriverais à le tuer, mais en fait, que dalle! Je leur fais que dalle. Oh, ces bâtards. Putain! Ah putain, enculé, j'ai plus de flèches. Ça y est.
confirmer la mort. Recherché pour crime contre le règne de notre grand pharaon. Ordre de me tuer. Ceux qui l'ont reçu mourront. Tiens. Ah, d'ailleurs, du coup, j'ai récupéré une nouvelle arme. Ah bah c'est la même que tout à que j'ai déjà. Le loup d'or, sauf que du coup niveau 20 au lieu de niveau 10. 144, 197. Ouais. Par contre, est-ce qu'elle vaudrait pas le coup de la vendre celle-là? Je vais aller voir comment elle coûte. Là ça, qui est plus près. Bienvenue. 600 d'or, tu te fais. Ça vaut peut-être le coup. C'est un plaisir de commencer. Ouais, je me suis occupé 4 fer, 4 bronze. Ah, ça va peut-être valoir le coup de la démonter peut-être ouais, finalement. Tiens, j'ai deux lames jumelles, tiens d'ailleurs. Au revoir. Idiot!
Un papyrus, ça fait plaisir. Non, on peut pas entrer. On n'a rien d'ouvert. Dans la dépression de Katarom, tout est aride et triste, à l'exception d'un seul lieu. Aux premières lueurs de l'aube, les racines d'un arbre situé à l'entrée de la vallée se trouvent à mi-chemin entre la gloire de Ray et l'ombre d'Apophis. Tu me trouveras là, mais hâte-toi car Ray ne tient pas en place. Dépression de Katarom. Ouais, c'est là-dedans. Moi, j'y suis pas encore allé, donc... donc pas pour tout de suite.